Vous cherchez des solutions pour avoir une interface responsive, vous en avez marre de cette instruction verticale à ligne qui n'aligne rien du tout. Profitez bien de la présentation de Benoît Lovnisac qui va pour découvrir une approche alternative aux media queries, offrant tout de même une grande flexibilité à vos composants. À toi, Benoît. C'est parti. Si je veux agrandir, c'est celle-là. Voilà, parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette conférence qui va traiter du sujet les composants responsives sans media queries. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Benoît Lovnisac, je suis formateur au CEFIM. Le CEFIM est un centre de formation situé à Tours qui dispense des formations dans les métiers du web marketing et des systèmes et réseaux. J'en profite pour un petit appel. Je suis donc formateur dans la formation développeur web et mobile. Et nous avons actuellement pas mal d'étudiants qui recherchent des stages et plus tard même des alternances. Donc, si vos entreprises sont intéressées, n'hésitez pas. Alors, hop, je clique ici. Voilà. Donc, pour commencer ce sujet, on va déjà se poser la question, c'est quoi le problème avec les media queries? Alors, j'ai un petit exemple, hein, vous m'excuserez pour le design, c'est pas mon métier de fond. Donc voilà, ici, on va avoir une vue sur smartphone. On a des cards, des composants cards. On va y avoir plusieurs qui vont être les uns sous les autres, donc quelque chose de très classique. Et puis, on va imaginer une vue ici sur un ordinateur portable. Donc là, j'ai mes composants cards en dessous qui ont la même disposition que sur la version mobile, mais le premier, je souhaite avoir une disposition différente. On peut imaginer que c'est pour une mise en avant ou autre. Donc, comment est-ce qu'on gère ça dans la situation actuelle ? On a donc la définition de notre card de base, la version empilée avec l'image au-dessus, le texte en dessous. Et puis pour la première card, celle qui va être mise en avant, on va créer une classe spécifique, card featured. Et on va définir des media queries avec un min width par exemple à 50 EM qui va faire la version horizontale. Donc le souci qui se pose, c'est que cette disposition dépend de la largeur de l'écran. On peut imaginer que j'ai ce même module dans une autre disposition avec, par exemple, une barre latérale. Et là, je souhaiterais aussi avoir cette vue avec le card feature, mais ça ne se déclenchera pas à 50 EM, mais peut-être à 75 EM ou autre, on peut imaginer. Donc, je serais obligé d'avoir encore des nouvelles classes, des nouvelles media queries, et puis on multiplie ça par le nombre de composants qui vont être concernés. On comprend vite le problème, ça devient vite assez infernal à traiter. Et puis surtout, donc, on fait ça en fonction d'une largeur d'écran, alors qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la largeur du conteneur, de l'élément qui contient nos cards. C'est lui finalement qui devrait nous donner, qui devrait dire que la card se positionne dans de telle façon ou telle autre. Donc, est-ce qu'il y a une solution? Oui, sinon on ne serait pas ici. Alors, la solution, elle est simple, elle s'appelle les container queries. Donc, au moment où j'ai proposé ce sujet pour la FUP, les container queries, c'était juste une discussion entre développeurs CSS, hein, c'était quelque chose qu'on évoquait. On a besoin des container queries, mais le problème, c'est que ça n'existe pas. Et oui, malheureusement, on est bon pour pleurer. Seulement, entre le moment où j'ai proposé la conférence et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Le 16 décembre 2020, voilà, on a Myriam Suzanne, donc une membre de l'équipe Mozilla, qui a fait une proposition sur le GitHub du W3C, donc dans la partie CSS. Donc déjà, je signale que ça veut dire que vous avez le droit de participer à l'évolution du web. Il suffit de se rendre sur le GitHub du W3C et on peut faire des propositions, discuter, participer à tout ça. Donc, elle a fait cette proposition avec une proposition de comment utiliser les container queries le 16 décembre 2020 et avec la petite flèche rouge qui est ici, là, hop, un petit coup de zoom. Le 13 février de cette année, cette proposition a été acceptée en commission CSS. Donc, ça veut dire que les container queries sont dans le cahier des charges de CSS. Alors, comme vous pouvez le voir, on les trouve sur Canary Use, mais le support, pour l'instant, ce n'est pas violent. 0%, on ne peut pas vraiment dire qu'on peut s'en servir. Seulement, si on regarde de plus près, on voit ici que sur Chrome, il y a possibilité de les utiliser. Alors, pas de manière officielle, ça reste une fonction expérimentale, mais on peut les utiliser. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter comment on va se servir des container queries. Désolé, pour l'instant, ça va juste être plus frustrant qu'autre chose, parce qu'on va voir un super système très pratique, mais qu'on ne pourra pas vraiment utiliser tout de suite. Comme ça, vous serez prêts. Donc, pour tester les container queries, hein, si vous les testez chez vous, c'est assez simple. Vous rendez dans Chrome, que Chrome n'a pas d'autre navigateur. On va à l'adresse chrome://flags. Et puis, vous allez arriver à une page. Il faudra trouver
la petite fonction Enable CSS Container Queries et les activer en mettant Enabled. Ensuite, comment on va les utiliser? Alors, on va faire un petit cas pratique. Je vous présente un petit code HTML. Donc, j'ai une div avec une classe card container. À l'intérieur, j'ai créé mon article avec sa classe card. Dans cette classe card, on a deux enfants directs, une div avec une classe card image qui va contenir l'image de ma card. Et puis en dessous, une div avec une classe card contente, un titre, une description, un lien. Quelque chose de très classique. Voici le CSS qui va aller avec. Alors, je ne vais pas tout vous présenter, puis je vous montre ce que ça va donner. Donc, sur ma card, j'ai notamment mis un display flex avec un flex direction colonne, ce qui permet d'avoir l'élément les uns en dessous des autres. Ce n'était pas obligatoire puisque c'est la disposition naturelle du HTML. Et je fais un petit pass sur l'image, puisque j'ai utilisé des propriétés un peu particulières. Mon image est en bloc et j'ai appliqué une largeur et une hauteur de 100%. Donc ça permet à l'image de s'afficher en entier dans la zone. Seulement, ça ferait des images un peu hautes et puis je pourrais imaginer d'avoir des images de taille différente. Et moi, je souhaite avoir des images qui font toutes la même hauteur. Donc là, j'ai utilisé une propriété, aspect ratio, qui n'est pas encore utilisable en production aujourd'hui, parce que le support doit être de l'ordre de 66%, je crois. Mais là, je suis en fonction expérimentale, donc je me fais plaisir. Et j'indique dans cet aspect ratio 21/9 pour avoir donc du 21/9. Donc plutôt pratique. Et pour que mon image ne subisse pas de déformation, j'utilise la propriété ObjectFit Cover. Ça fonctionne pour ceux qui connaissent comme le Background Size Cover pour une image d'arrière-plan. Donc l'image va se positionner sur toute la surface disponible et se recadrer le cas échéant. Donc là, en fait, il manque des bouts en haut, en bas. Mais là, on ne les voit pas, ça ne me pose pas de problème. Puis un petit Object Position Center pour demander ce que l'image soit calée sur le milieu de l'image, tout simplement. On verra comment on peut faire ça sans aspect ratio par la suite. Et là, on attaque le moment crucial, les container queries. Donc, sur l'élément card container, celui qui contient ma card, je vais appliquer cette propriété. Alors, je fais juste un petit avertissement. Ça, c'est la façon dont on s'en sert actuellement, mais c'est encore en cours de discussion. Il y a des chances que ça évolue et que le jour venu, on pourra vraiment utiliser les container queries. Ça ne s'utilise pas comme ça. Donc, sur mon élément card container, je mets la propriété contain. Et j'ai quelques mots-clés à utiliser dedans. Le premier, c'est layout. En fait, ce mot-clé va activer les container queries. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que le layout de mes éléments à l'intérieur ne pourront pas être modifiés par d'autres propriétés que les container queries. Les media queries n'auront plus leur mot à dire là-dedans. Et la deuxième, inline size, ça indique en fait qu'on est sur l'axe horizontal. À terme, il y aura aussi une propriété block size pour faire l'axe vertical. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore actif. Il y a un troisième mot-clé qu'on peut mettre qui s'appelle style et qui sert pour les compteurs des listes. Mais là, ce n'était pas vraiment intéressant d'aller là-dessus. Donc pour l'instant, sur mon card container, j'indique contain:layout espace inline-size. Et c'est parti pour les container queries. Et là, quelque chose que vous connaissez, ça ressemble énormément aux media queries. J'ai donc une règle add container, min-width 37 em. Et puis là, je vais indiquer, à partir de 37 em sur le container, pas sur l'écran, bien sur le container, ma carte, je souhaite qu'elle soit en flex direction row. Donc, les éléments vont se placer l'un à côté de l'autre. Et je vais même indiquer sur mon carte d'image, je fais un flex 1,1,33%. Donc, ça veut dire flex gros 1, flex shrink 1 et 33%. Donc, tu peux grossir, tu peux rétrécir, mais tu prends un tiers de l'espace. Et le carte contente, flex 1,1,67%, idem, sauf que tu prends deux tiers de l'espace. Donc, j'ai du un tiers, deux tiers. Petite modification sur l'image aussi, puisque là, elle avait son aspect ratio 21/9, maintenant, je souhaite qu'elle prenne toute la taille disponible. Donc, le quart d'image, je le mets en position relative, et puis mon image en position absolue. Et là, j'ai une propriété, encore une fois, qui n'est pas utilisable à 100% à l'heure actuelle, c'est inset0. En fait, inset0, c'est une propriété raccourcie qui comprend top, right, bottom et left, qui sont tous à 0. Donc là, encore une fois, on est en situation expérimentale, donc je me fais plaisir, je l'utilise. Et donc voilà ce qui se passe. On a notre card quand je suis dans une taille en dessous de mes 37 em. Et dès que je passe, mon container passe au-dessus de 37 em, ma card va se positionner comme ça. On va pouvoir aller encore un peu plus loin et créer d'autres breakpoints, d'autres points de rupture, mais toujours sur mon container. À partir de 45 em, j'inverse, je fais un row reverse. Donc là, mon image passe à droite et mon contenu à gauche. Et puis à partir de 56 em, je décide de modifier et de faire en sorte que déjà, je change la taille de l'écriture. Et puis, mon quart d'image, je le pose en absolu avec le inset 0. Donc, mon image va se mettre en fond.
Et mon card content, lui, va se mettre du coup en 100%, donc il va se mettre par-dessus mon image. Donc au niveau de rendu, voilà, à 37 EM. Dès qu'on passe à 45 EM, l'image change de côté. Et puis enfin, une version avec l'image en fond. J'ai appliqué quelques filtres, hein, c'est pas forcément magnifique, mais c'était juste histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, les containers queries, très simple à utiliser. Et on a une petite démo. Alors la petite démo, elle est juste ici. Hop là. Donc là, vous voyez mon layout. J'ai appliqué un petit resize pour vous prouver que ça ne dépend pas donc, du viewport. Hein. Là, je ne change pas la taille de ma fenêtre. Et donc, en dessous de 37 EM, j'ai ma carte. Vous voyez la première carte en haut, donc le disposition empilée. Puis je vais commencer à grossir. Oh, j'ai eu un petit truc bizarre entre les deux. Bon, ce n'est pas très grave. Enfin, si ça m'embête. Non, peut-être c'était voulu. D'accord, excusez-moi. On a donc l'image à gauche, le texte à droite. Et puis, à partir d'un certain moment, sur la première image, l'image qui passe de l'autre côté. Et puis enfin, une autre disposition. Et là, donc, c'est absolument pas lié au viewport, mais bien à la taille du container. Donc ça, c'est bien beau, hein, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Donc, quelle solution aujourd'hui ? Alors, il y a un polyfill qui a été développé en JavaScript. Je ne l'ai pas utilisé. Je ne suis pas fan de ce genre d'outil. Je préfère attendre que les outils soient utilisables vraiment en direct. Mais en tout cas, si vous voulez le tester, il existe et qui permettrait d'utiliser les container queries en situation. Sinon, si on veut pouvoir travailler vraiment sur la taille des containers, on peut utiliser aussi l'API Resize Observer. Mais encore une fois, on est sur du JavaScript, pas sur du CSS natif. Donc, et avec du CSS seulement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, là, on va pouvoir utiliser une méthode qui a été développée par Aidan Pickering. C'est la méthode dite Flexbox Holy Albatross, version Reincarnated. Vous lirez l'article si ça vous intéresse. D'ailleurs, petit truc marrant, hein, l'article, pour pouvoir le consulter, il faut désactiver le JavaScript. C'est une petite blague du développeur. Alors, le concept. J'ai ma card, donc la même que tout à l'heure, on n'a rien changé. Un display flex, flex wrap, wrap. Donc simplement, ça veut dire flex wrap, wrap, c'est-à-dire si tu as trop d'éléments, plutôt que les mettre côte à côte, les éléments suivants passent à la ligne, en dessous. Et là, on va avoir un petit peu de magie CSS. Donc sur mes éléments card image et card contente, j'applique un flex gros de 1, et puis cette petite formule, flex basis, calque, entre parenthèses, calque, 40 EM moins 100%, le tout multiplié par 999. Alors, 40 EM, c'est le point de rupture de mon container, toujours, hein, pas le point de rupture du viewport. Donc, ces 40 EM, je leur retire 100% de la largeur du composant et je multiplie ça par 999. Donc, deux cas de figure. Si mon container est supérieur ou égal à 40 EM, par exemple, je fais 50 EM. Alors, on va calculer, bah, je fais 40 EM moins 50 EM, ça ferait donc moins 10 EM, que je multiplie par 999, ça nous fait moins 9990 EM. C'est une valeur négative, donc par défaut, flex basis vaut 0. Comme flex basis est à 0, donc la taille de base est à 0, les éléments se mettent en ligne avec flex gros 1 de chaque côté, ils font chacun la moitié de la taille. Si je suis en dessous de 40 EM, donc mettons 30 EM, 40 EM moins 30 EM, ça fait 10 EM, fois 990, ça fait 9990 EM, donc une valeur très élevée. Donc, par défaut, ce sera 100%. Les éléments vont s'empiler. L'image va faire 100% de la largeur, puis en dessous, le contenu qui fera 100% de la largeur. Alors, voici une petite, ce que ça pourrait donner. Hein. Donc là, ma carte, en dessous des 40 EM et au-dessus des 40 EM. On va améliorer un peu ce système avec les custom properties. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont un peu des sortes de variables en CSS. Alors, elles sont des variables uniquement quand on les utilise. Au-dessus, c'est vraiment des custom properties. Ça va un peu plus loin que les variables. Donc, sur mon élément, deux points route, ça correspond au HTML ou à la racine qu'on est dans le Shadow DOM. Donc, je vais déclarer une custom properties que j'appelle breakpoint. La valeur sera calque 45 EM moins 100%. Donc là, mon point de rupture, c'est 45 EM. Et puis, j'ai envie d'avoir des colonnes qui se mettent en un tiers, deux tiers. Un tiers pour l'image, deux tiers pour le contenu. Donc, j'applique un ratio, le ratio de l'image 1, ratio du contenu 2. 1 plus 2, ça fait 3, donc un tiers, deux tiers. Et puis, je vais appliquer à carte d'image un flex gros avec ma variable ratio image. Flex basis, j'applique mon breakpoint que je multiplie par 999. Idem pour le contenu, sauf que là, j'appelle le ratio contente. Et la magie va opérer. Et là où vous allez voir que ça va beaucoup plus loin les custom properties que de simples variables, c'est bien pour ça que ce sont des variables à ce niveau-là, mais
on peut modifier leur valeur à différents endroits dans les custom properties. Il suffirait, par exemple, que je crée une classe card alternative pour une autre card que je voudrais faire, où je pourrais indiquer un autre point de rupture et peut-être d'autres ratios, donc ici 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Et là, ce qui va intéresser, je suppose, les développeurs PHP, c'est qu'on peut faire ça aussi directement dans un attribut style. Et là, évidemment, bah, en PHP, par exemple, c'est beaucoup plus simple d'aller modifier du HTML que du CSS. Donc là, dans mon style, hein, je déclare mon breakpoint, mon ratio image, mon ratio content, en ayant toujours ces valeurs qui sont valables à la racine. Donc, je peux très bien avoir des choses différentes par endroit en gardant les valeurs de base. On va parler de la gestion de l'image. Donc l'image, vous avez montré tout à l'heure le aspect ratio, mais comme je disais, ce n'est pas vraiment utilisable en production. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est une propriété sur les paddings. On va utiliser les pourcentages dans les paddings. Alors il faut savoir, quand vous utilisez des pourcentages dans des paddings, le pourcentage se calcule par rapport à la largeur de l'élément parent. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais faire un padding top calque 100% fois 9 divisé par 21 pour avoir un padding top d'une hauteur de 21, d'un rapport de 21 neuvièmes. Et puis mon image, qui est donc sur cet élément et qui est en position relative, il n'a pas de hauteur, il a juste ce padding. Je vais donc lui appliquer une position absolue. Je mets top left 0 parce que le inset ne fonctionne pas. On retrouve 800%, 800%, object fit cover, object position center. Mon image va se positionner dessus. Et ça va faire l'affaire, je vais avoir une image en 21 neuvièmes. Alors le seul petit souci de ça, c'est que ça marche pour la carte en version empilée. Mais si je suis en version en ligne, le 21 neuvième se fait le calcul sur le parent. Donc là, ça risque d'être un petit peu haut quand même, mon image. Donc on va améliorer un petit peu ça. Alors, sur ma carte d'image, cette fois-ci, bah, je vais déclarer mes ratios d'image. Comme ça, je pourrais les modifier, hein, comme on a fait tout à l'heure. Et plutôt que d'appliquer ce padding sur l'élément lui-même, je vais l'appliquer sur un pseudo-élément before. Donc comme je suis un pseudo-élément, je déclare un content vide, mais pour qu'il puisse s'activer. Je mets ça en display block pour être sûr que ça se passe bien, qu'on ne soit pas sur du inline en fait, hein, que ça prenne bien la place. Et j'applique mon padding top, 100% fois la variable qui correspond au ratio sur la hauteur, divisé par le ratio de la largeur. Le parent devient card image, que je sois en version empilée ou en version en ligne. Ça règle le problème puisque ça se calcule uniquement sur la zone où il y a l'image. Donc, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec les containers QoS, puisque là, j'ai que deux états. J'ai l'état initial empilé et le deuxième état à droite à gauche. Mais au moins, ça, on peut l'utiliser en production. Et je vous fais la petite démo qui va bien. Alors là, je n'ai pas pu faire le resize, ça ne fonctionne pas avec le resize. Donc, j'ai mes cards, hein, vous voyez ici, avec la première. C'est la première qui va être qui va faire le taf. Donc, ma grille se modifie. Et hop, arrivé à un certain point, j'ai la modification qui se fait. Au passage, je vais vous faire très rapidement une petite modification. On va par exemple jouer sur les ratios de notre image. Alors, le temps que je trouve ça, c'est pas bien loin. Voilà, là c'est donc la magie pour la disposition et pour l'image. Par exemple, d'avoir du 21 neuvième, je pourrais décider d'avoir du 16 neuvième. Alors ici, ça ne se voit pas à ce niveau-là, mais là, ça va jouer. Hop, on recharge et vous voyez, j'ai un ratio 16 neuvième. Je vais remettre mon ratio 21 neuvième. Voilà, donc la custom properties, c'est pareil, c'est vraiment des propriétés très intéressantes qui vont nous permettre d'avoir une règle de base et qu'on va pouvoir appliquer dans différents cas avec des valeurs différentes. Ah, j'ai une petite coupure d'écran. Je ne sais pas si ça diffuse toujours. C'était juste l'écran qui s'était éteint. Alors, et pour le layout, est-ce qu'on peut faire des choses sans media queries? Bah, si je pose la question, c'est que évidemment, on peut. Et on va parler maintenant de quelques autres modules. Donc là, on va plutôt parler layout, donc plutôt se référer à la taille de l'écran, mais on va pouvoir adapter ce système pour faire aussi des petites bidouilles sur les composants. Donc déjà, je vais vous parler de la propriété Display Grid, si vous ne connaissez pas. Donc c'est le dernier gros module CSS. Hein. Il y a eu Flex qui a vraiment révolutionné le CSS. Et puis on a Grid qui est arrivé depuis et qui permet de faire des choses assez extraordinaires.
Donc, sur le parent grid, hein, qui va contenir tous mes éléments que je vais vouloir positionner, je déclare juste un simple display grid, et puis je vais pouvoir définir des colonnes. Donc là, par exemple, la grid template columns, j'ai appliqué 25%, 50%, 25%. J'ai donc trois colonnes, une qui fait un quart, une qui fait la moitié, et une qui fait un quart. Donc ça, c'est nickel, on a trois colonnes avec chacune leur propre taille. Le problème, c'est qu'avec les pourcentages, si je décide de mettre de l'espace, une gouttière entre mes colonnes, les calculs de pourcentage ne vont plus être bons. Alors, le problème est résolu parce qu'en fait, Grid nous propose une nouvelle unité qui s'appelle l'unité FR, qui correspond à des fractions de l'espace disponible. Donc là, si je déclare 1FR, 2FR, 1FR, j'ai un total de 4 fractions. Et donc, j'appliquerai une fraction à la première colonne, deux fractions à la deuxième colonne et une fraction à la dernière. Ça nous fait encore l'équivalent de un quart, une moitié, un quart. Mais l'avantage, c'est que c'est calculé sur l'espace disponible. Donc, si je décide de mettre des gouttières, il n'y a pas de problème, c'est l'espace disponible. Et puis, en plus, en parlant de gouttières, hein, on a la propriété gap qui existe sur grid, qui permet de créer des gouttières sans margin, sans padding, sans rien. Les gouttières sont créées toutes seules. Donc là, quand je fais gap 2EM, 1EM, j'ai donc une gouttière de 2EM en vertical, donc entre les lignes de ma grille, et une gouttière de 1EM en horizontal entre les colonnes de ma grille. On va voir tout ça évidemment après avec une petite démonstration. Alors ça c'est chouette, j'ai fait une grille, mais maintenant j'aimerais bien avoir une grille automatique où le nombre de colonnes se calcule tout seul, sans que j'ai rien à faire. Alors déjà, il faut savoir qu'on a une petite propriété qui s'appelle repeat dans le grid template colonne. Quand je n'ai pas envie de taper toutes les colonnes, par exemple, je peux faire repeat 4, 1 et fr. Ça me fera 4 colonnes, chacune avec une fraction de l'espace disponible. On économise un petit peu en écriture, puis c'est un peu plus logique à écrire comme ça. Et là où ça devient super intéressant, c'est ce cas ici. Avec le repeat, je vais pouvoir mettre une valeur qui est autofile. Donc ça veut dire, mets autant de colonnes que possible dans l'espace disponible. Mais il faut bien que je donne quand même une référence. Et cette référence, je vais pouvoir utiliser la propriété minmax, dans laquelle j'ai mis 18EM, 1FR. Ça veut donc dire que mes colonnes font au minimum 18EM de large. Donc si, par exemple, j'ai un espace de 30EM, je peux en mettre qu'une seule. Et donc, elle fera dans ce cas-là 1FR. Donc, j'ai une colonne qui fera 1FR, donc qui fera tout l'espace disponible. Et dès le moment où j'arriverai à 36EM, je pourrais mettre deux colonnes directement. Alors, sauf s'il y a la gouttière, il calculera la gouttière automatiquement. Si je mets un gap, par exemple, de 2EM, pour faire deux colonnes, il faudra 18 fois 2, 36 plus 2, 38EM. Il faudra que j'ai un espace de 38EM pour qu'il puisse me faire deux colonnes. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une propriété très intéressante. On va voir tout de suite la démo, c'est ce que j'ai utilisé sur la démo des container queries ici. Voilà, donc là, quand je suis en dessous d'une certaine taille, j'ai une colonne, puis je passe à deux colonnes, puis trois, puis quatre. On a juste un petit souci là, c'est la version trois colonnes. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas terrible d'avoir cette petite carte qui se balade toute seule. Donc, on verra comment on va pouvoir gérer ce problème. Je vais aussi vous montrer quelles propriétés j'ai utilisées pour faire en sorte que mon premier élément prenne toute la largeur. Hein, c'est ma grille. D'ailleurs, tiens, je vais vous la montrer vite fait, la grille. Avec l'inspecteur d'éléments, ça fonctionne. Oula, ce n'était pas cette vue-là que je voulais. Alors, colle-moi ça en bas. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Donc, dans l'inspecteur d'éléments, vous avez le petit mot grid qui arrive. Ça fonctionne dans Chrome et dans Firefox. Donc, si je clique dessus, voilà, là, je vois ma grille. D'ailleurs, je vois que ça déborde. Je n'ai pas fait mes tests avant. Bon, si je les ai faits chez moi, ça marchait. Bon, ce sera à régler, à regarder de plus près. Mais bon, donc, je vois mes éléments qui sont à l'intérieur dans chaque élément de la grille. Ah oui, la hauteur, c'est pas la bonne. Il y a un truc qui est bizarre là, dans l'affichage. Bon, c'est pas très, très grave. Et en fait, là, donc, cette première carte, elle, on voit qu'elle prend toute la largeur de la grille. Elle fait trois colonnes. Alors, voilà un peu le layout. Hein, donc, j'ai mon div class grid avec mes div class grid item à l'intérieur les cards. Et tout simplement, j'ai précisé que le grid item, le first child, donc le premier ici, mais j'aurais pu mettre une classe spécifique aussi, je lui indique qu'il va prendre les colonnes qui vont de 1 à moins 1.
Alors, je reviens vite fait sur la démo. Et vous voyez ici que vous avez chaque ligne est numérotée. Donc, une colonne, c'est entre deux lignes. Donc là, la colonne 1 va entre la ligne 1 et 2, puis la 2 entre 2 et 3, et la dernière entre 3 et 4. Le petit truc qui va bien, c'est ce qu'on voit ici indiqué en bas, c'est que les lignes sont aussi numérotées en négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, si j'indique qu'une grille va de la ligne 1 à la ligne moins 1, elle prendra toujours toute la largeur de ma grille, quel que soit le nombre de colonnes, que j'en ai 1, 2, 3, 4, peu importe. Et ce qu'on voit là-haut, la première carte fera toujours toute la largeur. Donc, petite propriété bien utile. Il y a encore beaucoup de choses, hein, je vous invite vraiment à aller farfouiller le module grid. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire avec ça. On peut vraiment aller très très loin dans le layout avec une facilité assez déconcertante. Alors, maintenant, l'histoire, c'est comment on fait pour éviter l'étape 3 colonnes avec un élément tout seul qui se balade en bas. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir la version 1 colonne, 2 colonnes, puis de passer directement à 4 colonnes sans passer par l'étape 3 colonnes qui ne nous convenait pas. Pour vous parler de ça, j'ai déjà vous présenté les fonctions mathématiques de CSS. Le support, les 90%. Donc, il y en a une que vous connaissez déjà, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la propriété calque, la fonction calque. Mais on a trois nouvelles fonctions qui sont super intéressantes. La première, c'est la fonction min. Par exemple, sur ma carte, si j'indique un width min 50%,40 em, en fait, il va chercher à utiliser la plus petite valeur des deux. Donc, ça fera 50% du parent avec un maximum de 40 em. C'est l'équivalent de si j'avais écrit width 50%, max width 40 em. Donc là, j'ai pris l'exemple du width, hein, mais ça peut s'utiliser dans n'importe quelle propriété qui prend des valeurs chiffrées. On a son corollaire, la fonction card. Donc là, si je fais un width max 50%, 40 em, ce sera le plus grand des deux. Donc il fera 50% du parent, mais avec un minimum de 40 em. Alors c'est un peu perturbant cette histoire de max pour parler du minimum et min pour parler du maximum, mais une fois qu'on a compris la logique, ça va bien. Donc ça, c'est l'équivalent de width 50% et d'un min width à 40 em. Et puis la troisième fonction, celle qui va nous intéresser, c'est le clamp. Le clamp prend trois valeurs, une valeur minimum, une valeur souhaitée et une valeur maximum. Donc là, mon élément card fera 50% de son parent avec un minimum de 20 em et un maximum de 40 em. Ça, c'est équivalent à ce que j'avais écrit, width 50%, min width 20 em, max width 40 em. Et ça se fait en une seule ligne. On pourrait l'utiliser, par exemple, pour faire une typographie fluide. Là, j'ai un paragraphe, je vais appliquer un font size, deux points, clamp. Donc, une valeur minimum de 0,8 em, une valeur souhaitée de 2VW, autrement dit 2% de la largeur du viewport, et une valeur maximum de 1,4 em. Donc ça, c'est super intéressant, puisque jusque-là, pour pouvoir faire des typographies fluides, soit on utilisait des calculs très complexes, hein, il y a des gens qui se sont amusés, on pouvait trouver des formules très complexes pour faire ça, ou on utilisait les media queries en disant, bah tiens, tu fais 2VW, mais à partir en dessous de telle taille, bah, tu feras les 0,8 em, au-dessus de telle taille d'écran, hein, toujours 1,4 em. Là, c'est vraiment le navigateur qui va faire le calcul pour nous par rapport à ce qu'on lui a donné. Alors maintenant, on va voir comment on va se servir de nos éléments. Donc, j'ai réutilisé mes petites custom properties, parce que je les aime beaucoup. J'ai un breakpoint. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé, je me suis basé sur... on va faire le calcul se fera par rapport à la largeur du viewport. Hein. Donc, on parle bien de layout et plus de composants par rapport au container. Donc, je voudrais avoir un point de rupture à 37 em. Et en fait, dès que je serai au-dessus de 37 em, je souhaite avoir deux colonnes. C'est la première étape. Donc, sur ma grille, je vais appliquer un display grid. Je vais reprendre mon grid template colonne repeat autofill min max. Sur la valeur max, je vais avoir un FR, mais dans le min, je ne vais plus avoir mon 18 em de tout à l'heure, mais un clamp. Et là, on va essayer de comprendre ce qui est écrit ici. Donc, j'ai mes trois valeurs dans le clamp, hein, le mini, le souhaité, le maximum. Pour comprendre, on va partir de la valeur souhaitée. Donc, ici, j'ai ma variable breakpoint, donc 37 em. De ces 37 em, je vais retirer 100 VW, autrement dit la largeur du viewport, et que je vais multiplier par 1000. Donc on va prendre un exemple, mettons que je sois donc en dessous de 37 em, je vais être, on va dire, mettons sur 20 em. Donc si je fais 37 em moins 20 em, ça fait 17 em, que je multiplie par 1000, ça me fait 17 000 em, une valeur énorme évidemment qui correspond à rien. Donc par défaut, on va aller sur la valeur maximum du clamp. Autrement dit, mon élément va faire 100%, et donc ma grille
chacune des colonnes fera 100%. À partir de là, ça veut dire que j'aurai une seule colonne. Par contre, si je suis au-dessus de 37 EM, mettons 40 EM, je vais faire 37 EM moins 40 EM, donc j'aurai moins 3 EM, je vais multiplier par 1000. Je vois qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur, hein, désolé. Les slides seront disponibles, hein, vous pourrez vous entraîner un petit peu avec ça, puis il y aura aussi les codes PEN. Donc là, je vais être à moins 3000 EM, donc pareil, une valeur totalement absurde, et on va donc utiliser la valeur minimum du clamp. Et la valeur minimum du clamp, c'est là où on s'amuse bien, c'est 100% que je divise par le nombre de colonnes auxquelles j'ajoute 1. Donc 2 divisé par 1, ça fait 3. Donc 100% divisé par 3, ça me fait 33,33333%. Et je vais rajouter juste 0,1% pour être à 33,43%. Tout ça simplement pour éviter de... Je ne veux pas 3 colonnes, je veux bien 2 colonnes. En faisant du 33,43%, j'aurai donc que 2 colonnes qui pourront se placer. Et elles vont utiliser la propriété 1FR pour remplir tout l'espace disponible. Donc, je vais bien passer de 1 à 2 colonnes avec ce système. Jusque-là, je n'avais pas vraiment besoin de mettre ça en place pour aller aussi loin. On va corser encore un peu la chose. Hein. Désolé, on va rajouter une petite couche en plus. Et cette fois-ci, on a deux points de rupture. Un point de rupture à 66 EM, un autre à 37. Et deux nombres de colonnes. Donc, pour au-dessus de 66 EM, je souhaite être à 4 colonnes. Au-dessus de 37, à 2. Et en dessous, à 1. Dans l'idée, je ne veux pas avoir... Donc, je n'aurai pas mon étape 3 colonnes. Et alors, comment on va faire ça? Toujours la même chose, sauf que dans le min du clamp d'origine, je remets un clamp. Ouais, désolé, ça commence à devenir un petit peu corsé. Si on repart, donc, la valeur souhaitée du clamp d'origine... Ben donc, si je suis en dessous de 37 EM, je vais avoir 100%, donc une seule colonne. Mais si je suis au-dessus de 37 EM, je rentre dans le minimum et je rentre dans mon deuxième clamp. Dans mon deuxième clamp, je pars encore de ma valeur souhaitée. Donc là, on prend le breakpoint 1, 66 EM, 66 EM moins mes 100 VW. Si je suis entre 37 et 66, mettons à 50, je vais faire 66 moins 50, je vais être à 16 EM, je vais multiplier par 1000, j'aurai une valeur absurdement grande, donc je vais me retrouver dans le cas ici, et je vais avoir donc le calcul d'avant, 100% divisé par le breakpoint 2, donc les deux colonnes auxquelles j'ajoute 1 plus le 0,1%, donc en gros 100% divisé par 3 plus le petit pourcent 0,1%, qui va faire que j'aurai donc deux colonnes qui feront chacune 1FR, mais par contre si je suis au-dessus de 66 EM, je vais avoir une valeur négative qui va me permettre d'utiliser cette propriété-là. Et là, je vais faire 110% que je vais diviser par le colon breakpoint 1, 4. Donc 4 plus 1, 5. Donc 100% divisé par 5, ça fait 20%. Je rajoute un 0,1% juste pour être à 20,1% et ne pas avoir 5 colonnes. J'aurai donc 4 colonnes qui vont s'agrandir à 1FR chacune. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. On va faire la démo bientôt, mais tout d'abord, je vais juste signifier un petit quelque chose. Un sélecteur, finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est une condition? If j'ai la classe grid, tout simplement. Ici, j'ai une jolie fonction mathématique. Ici, des variables. Et je vous pose la question, est-ce que le CSS est un langage de programmation? Voilà, alors je vous invite, si ça vous intéresse cette question, à aller consulter cet article sur CSS Tricks. Et je précise juste qu'on parle d'un langage de programmation de type DSL, Domain Specific Language. Donc on ne peut pas comparer évidemment avec d'autres langages comme du JavaScript, du Python, du PHP, qui sont des langages de type GPL, General Purpose Language. Voilà, la question est posée. Si vous voulez en débattre, il n'y a pas de souci. Et donc, la petite démo, on va aller voir ici. Donc, c'est ce que j'ai fait sur la version sans container queries. Et donc, vous voyez ici que j'ai ma grille. J'ai appliqué le système dont je parlais avant. Donc, une colonne, deux colonnes. Et là, je vais passer, c'est mon truc à changer en haut. Et je vais passer à quatre colonnes sans passer par l'étape trois colonnes. Alors, si ça vous intéresse, je vous ai mis quelques sources. Deux articles pour les container queries. L'article de Eden Pickering pour les composants responsifs sans media queries. Et puis, un autre qui a été publié par Geoffrey Croft sur CSS Tricks.
Et puis, le dernier, celui où j'ai chopé là, la méthode du layout sans media queries. Voilà, tout est expliqué ici. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter. Et je pense qu'on est bon pour la session. Questions ? Bien, merci, Benoît. Hop, on va aller voir s'il y a des questions. Il y a eu beaucoup de réactions sur le chat, j'ai vu. Le compte est bon, ouais, 32M, 1VW, 12EM. Alors oui, désolé, je n'utilise pas les pixels, je suis un peu allergique aux pixels. Comment ça, il n'y a pas de questions ? N'hésitez pas à aller dans l'onglet questions, poser des questions. Profitez-en, on a 5 minutes. Ah, Marine, tu suis Eden Pickering sur Twitter, ouais, tout à fait. N'hésitez pas à le suivre. Il fait des super vidéos en plus, elles sont très drôles et elles expliquent des choses très intéressantes. Alors Gilles, tu dis d'avoir le replay. Il y a aussi, hein, j'ai mis les slides. Hop, je vais vite peut-être revenir dessus. Attends, je suis où là ? Ma souris, elle est où ? Ah, je suis là. Je vais revenir tout au début. Ah, il y a des questions qui arrivent, hein. Peut-être on peut aller voir. Alors, je vais vous redonner après l'adresse des slides. On va aller voir les questions. Une date estimée pour l'utilisation des conteneurs queries en prod ? Eh bien, moi, j'estime qu'on devrait le faire dès demain, mais non, je n'ai absolument pas de réponse là-dessus. Désolé. J'aimerais beaucoup utiliser les EM, mais j'ai du mal à savoir à quoi ça correspond. C'est possible d'expliquer ça maintenant ? Je vais faire une explication rapide. Alors déjà, il y a les EM, il y a aussi les REM, les REM. Donc, les REM sont des routes EM. Eux, ils vont se référer directement à la racine. Donc, on peut déclarer une taille de police sur l'élément HTML. Par défaut, c'est 16 pixels. Et donc, si je fais 2 REM, ce sera 32 pixels, peu importe là où je suis. Les EM, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, ça fonctionne pareil sur l'élément de base. Donc, par exemple, je vais faire un paragraphe qui aura une taille de 2 EM. Donc, ce sera 16 pixels. Mais si à l'intérieur du paragraphe, j'ai par exemple un élément strong qui lui a une taille de 0,5 EM, ça fera pas 16 pixels, mais ça fera pas 8 pixels, mais 16, parce qu'on prendra les 32 pixels du paragraphe qu'on divisera par 2. Donc les EM en fait se réfèrent toujours à la taille de police du parent le plus proche. Donc je conseille pas de les utiliser pour les tailles de police, des choses comme ça. Par contre, c'est super intéressant pour des marges typographiques. Je pourrais dire que sous tous mes éléments H, j'ai une marge margin bottom de 1 EM. Ça veut dire que si mon H1, il a une taille de 48 pixels, sa marge inférieure sera de 48 pixels. Si mon H2 lui fait 36 pixels, sa marge inférieure sera 36 pixels. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Donc, c'est assez compliqué à utiliser, hein, vraiment dans des cas précis, pas partout. Y a-t-il un équivalent à auto et FR pour Flexbox ? Absolument pas. Alors, le flex est déjà automatique, hein, de certaine façon. Il est assez intéressant. Les FR, non, on n'a pas. Par contre, Gap va être utilisable sur Flexbox. Là, actuellement, le support, il est à 75%, donc pas encore utilisable en production, mais bientôt. Flexbox fonctionne quand même vraiment différemment de Grid. D'ailleurs, la question, c'est pas de se dire Grid ou Flexbox, c'est bien, on utilise les deux selon les propriétés. On a plutôt tendance à utiliser Flexbox pour tout ce qui est composant. Par exemple, vous avez une barre de navigation avec votre logo à gauche, à droite le menu. Là, on ne sait jamais finalement quelle sera la taille du menu, ça dépend du nombre d'éléments. Donc, on préfère faire un display Flex, justify content, space between. Et puis, par contre, pour tout ce qui est layout, c'est là où on va utiliser Grid plutôt. D'autres fonctions intéressantes, hors clamp, calc et min. Alors en fonction mathématique, donc nous on a clamp, calc, min et max. Ça permet déjà de faire pas mal de choses. Après oui, il y a toujours plein de propriétés intéressantes dans le CSS. Ça n'arrête pas d'évoluer, hein, ça va vraiment à une vitesse de folie ces derniers temps. Donc faut suivre parce que c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une suggestion framework outil CSS suffisamment en avance sur son temps qui prévoit de gérer support de ces conteneurs queries dans le futur ? Non, alors je dirais que peut-être le framework le plus avancé aujourd'hui, on aurait peut-être Tailwind, Bootstrap 5, il me semble qu'ils intègrent la grid. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que la grid est installée. Les conteneurs queries, c'est encore trop tôt. Mais je suppose que ce sera intégré dans des frameworks comme Tailwind notamment,
qui évoluent peut-être un peu plus vite que des Bootstrap, puisqu'ils sont en amélioration continue, donc possiblement. Est-ce qu'il y a des moments où, à force de complexité, les formules comme celles que tu nous as montrées, tu finis par être perdu dans ton code ? À quand les tests unitaires en CSS pour s'en sortir ? Alors, non, je suis pas perdu, parce que la vérité, c'est que j'utilise pas forcément ce genre de choses. Alors, si, sur les composants, oui, bien sûr. Sur la grille, on va utiliser des choses peut-être un peu plus simples, avec des media queries, hein, tout simplement. C'était sympa de le montrer, mais ça va dépendre... Ça peut être intéressant, et non, je ne me perdrai pas spécifiquement, bien que ça dépend peut-être de la taille du projet, on pourrait imaginer que sur un gros projet, ça pourrait être intéressant. Mais là où justement, ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir utiliser les custom properties qui permettent de poser nos fonctions une bonne fois pour toutes. La fonction est toujours la même, et on a juste le custom properties qui change. Donc là, il suffirait de dire dans telle classe, je change la custom properties, hein, là je veux que le breakpoint soit à telle valeur, le nombre de colonnes soit à telle valeur, et finalement, c'est assez simple à faire après. Une fois que le truc est posé, ça fonctionne. Et pas de réponse pour les tests unitaires. Il suffit de tester. Eh ben c'est bon, c'est terminé pour nous. Eh ben merci beaucoup. Voilà, on arrive à 17h. Je voulais montrer vite fait pour le slide. J'ai fait une adresse, une URL très très simple. Donc, hop, j'essaie d'y revenir au début si vous voulez retrouver les slides. Hop, j'y arrive. Donc, c'est slides.com/Benoît. Alors, c'est Benoist, B-E-N-O-I-S-T, /no-mq, comme no media queries. slides.com/Benoist/no-mq et vous aurez les slides. Merci beaucoup. Voilà, donc le lien pour la prochaine conférence vient d'être partagé. N'hésitez pas aussi à aller sur le Joinedin pour pouvoir mettre votre impression sur la conférence, c'est très important. Et je vous dis à plus tard. Au revoir, merci. Au revoir.